m'appelle Thomas, j'ai 30 ans, je suis chargé de cours en mathématiques et j'ai fait du volontariat en Zambie où j'ai fait un projet d'enseignement. Donc, pendant les premiers jours, il faut un peu de temps pour s'habituer, non seulement à l'environnement, à la culture, mais aussi au logement, parce qu'on est logé dans une auberge de jeunesse avec tous les autres volontaires. Et on est extrêmement bien encadré par le partenaire local qui nous aide à nous intégrer dans la culture, qui nous aide à comprendre les différences entre la Zambie et la Belgique. On essaie de s'habituer à certaines différences culturelles. Par exemple, les instituteurs là-bas ont encore l'habitude de frapper les enfants, chose auxquelles on n'est pas nécessairement habitué, qui fait partie de la culture. Et je veux dire, c'était un défi pour moi de vivre cette expérience. Donc, un de mes meilleurs souvenirs, c'est le dernier jour où je suis parti, où l'institutrice m'a chaleureusement remercié de ma présence, m'a dit qu'elle avait beaucoup appris de moi, que les enfants avaient beaucoup appris de moi. Et tous les enfants se sont levés, ont chanté une chanson disant qu'ils n'oublieraient jamais. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Pour moi, une des choses les plus importantes quand on part comme ça dans un pays qu'on ne connaît pas, c'est d'avoir une très grande ouverture d'esprit, d'accepter les différences des autres, même si on ne les comprend pas toujours nécessairement. L'idéal, ça doit être quelqu'un de patient, d'ouvert et qui a vraiment envie d'apprendre et de comprendre notre culture.